Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrique Info, la chaîne qui vous donne la juste information sur tout le continent africain. Voici enfin les véritables raisons pour lesquelles la maison de Fally Ipupa a été saccagée par des individus en République démocratique du Congo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer gratuitement la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La rencontre entre Fally Ipupa et Emmanuel Macron à l'Élysée a créé énormément de frustration dans la scène politico-sociale de la République démocratique du Congo, au point que la résidence du musicien congolais à Kinshasa était attaquée par des hommes identifiés comme étant de l'UDPS, renseigne des sources proches. D'après des sources concordantes, Fally Ipupa est sérieusement pointé du doigt suite à son rapprochement avec Emmanuel Macron. Les proches du régime ne voudraient pas que la personne du professionnel de la musique soit associée avec le président français qui est perçu comme le parrain numéro 1 du M23. Nonobstant la position drastique de certains politiciens qui refusent le rapprochement entre Fally et Emmanuel, les Warriors de Fally Ipupa estiment que personne n'a le droit d'indiquer à leur leader ce qu'il doit faire ou pas. D'autant plus qu'il était là pour la cause de la République. Pour eux, il est injuste de demander à Fally de prendre des distances alors que Félix Tshisekedi se pavane avec le président français sous les yeux impuissants de tous les intransigeants congolais. Fally n'est pas un politicien, mais il veut y travailler pour le bien-être de la population de son pays. Que ceux-là qui s'attaquent à Fally Ipupa attendent Emmanuel Macron qui arrive le samedi 4 mars, déclare Claude Perrault Jasper. Notons qu'un groupe d'hommes se présentant comme des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, partis au pouvoir en République démocratique du Congo, se sont introduits dans la résidence de l'artiste congolais Fally Ipupa dans la commune de Galiema à Kinshasa vers 6h du matin. Selon des sources concordantes, ils ont éventré une partie de la maison, cassé des vitres et brûlé une voiture ce dimanche 28 février dernier. Alors chers internautes, d'après les sources, la raison pour laquelle le domicile de Fally Ipupa a été attaqué, saccagé, brûlé, a été tout simplement le fait que l'artiste s'est rapproché du président Emmanuel Macron. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer gratuitement la cloche de notification pour ne pas rater la suite de cette affaire, car il y a des hommes d'ombre